Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Aujourd'hui nous nous retrouvons en salle à Escalform pour la démonstration technique d'un exercice pour les biceps. Il s'agit du crossbody hammer curl. En français ça donnerait le curl marteau en travers du corps. On va plutôt garder la version originale hein, qui sonne un petit peu mieux. Cet exercice peut être réalisé aux haltères mais également à la poulie. Donc dans un premier temps je vais effectuer quelques répétitions afin que vous puissiez voir en quoi consiste cet exercice. Ensuite on va voir les bénéfices, qu'est-ce que nous apporte ce fameux crossbody hammer curl et qui va en tirer le plus profit. Et enfin, comme d'habitude, je vais démontrer la technique aux haltères, mais également à la poulie. Allez, dans un premier temps, je vais faire quelques répétitions. Donc voilà en quoi consiste le crossbody hammer curl. Comme vous avez pu le voir, et comme son nom l'indique également, c'est une variante du curl marteau classique. À la différence près, vous avez pu vous en apercevoir, c'est que au lieu d'avoir la main, lors d'un curl marteau classique, au lieu d'avoir la main qui va évoluer constamment éloignée du corps, cette dernière, de par une rotation de l'avant-bras, va se retrouver à évoluer contre le corps. Et ça va avoir comme incidence de réduire le travail du long supinateur, ce muscle de l'avant-bras le plus volumineux. Il va quand même travailler, mais il sera moins actif. Mais par contre, ça va accroître le recrutement du braquet antérieur, ce fameux braquet antérieur dont je parle très souvent. À juste titre, il est très important, il est souvent négligé pendant vos séances biceps. J'espère un peu moins, j'espère vous avoir sensibilisé sur son importance. Et pourquoi est-il important? Je le rappelle encore une fois, pourquoi est-il important ce braquet antérieur? Tout simplement parce qu'il va non seulement promouvoir le pic du biceps, c'est-à-dire cette émergence du biceps en forme de montagne, mais également, et ça c'est intéressant, également, ça va vous donner de l'épaisseur à votre biceps, véritablement un relief bien épais, chose qui manque souvent chez les pratiquants, ce qui est très important. Qui va en tirer profit? Tout le monde les amis, que vous ayez les biceps courts ou vous ayez les biceps longs, tout le monde va être gagnant avec cet exercice. Les biceps courts, rappelez-vous lors de ma vidéo, quel exercice pour les biceps courts, je vous rappelle que le travail du braquet antérieur va non seulement vous donner de l'épaisseur, mais également il va contribuer à remplir cet espace naturel entre votre biceps et votre coude. Quant au biceps long, non seulement ça va travailler, ça va promouvoir le pic, mais ça va également vous donner de l'épaisseur à votre biceps, enfin à vos biceps. Donc voilà, voilà pour les avantages, voilà pour qui est intéressant cet exercice. On va passer tout de suite à la démonstration technique. A tout de suite. De retour pour cette deuxième partie, place maintenant à la démonstration technique. Donc dans un premier temps, je vais vous démontrer le crossbody hammer curl aux haltères. Donc je vais saisir ma paire d'haltères. Donc position classique, les pieds, écartement largeur du bassin. On va légèrement fléchir les genoux, je vous le rappelle encore une fois, pour limiter la contrainte au niveau des lombaires. Je gagne bien au niveau des abdominaux, les épaules sont en position neutre. On va saisir les haltères et contrairement à un curl marteau classique où on part en prise neutre, en prise marteau, on va tourner les paumes de main vers l'intérieur et se retrouver en fait en prise pronation. Les coudes sont toujours près du corps, elles vont être fixées. Je vous rappelle, fixer les coudes, cela veut dire en fait qu'il n'y aura, je ne devrais assister à aucun mouvement de tiroir. La seule chose qui va bouger les amis, ce sont vos avant-bras. Donc, paumes de main vers l'intérieur, les coudes sont contre le corps, on gagne bien au niveau des abdominaux et je vais commencer ma flexion. Je monte l'haltère. Comme vous pouvez voir, l'haltère se dirige vers le pectoral opposé. Une fois arrivé en fin de mouvement, je contracte fortement et je reviens. Je reviens bras tendu en maintenant toujours un petit flex. J'expire bien en fin de mouvement et j'inspire en descendant. Je saisis les haltères, je serre les haltères un maximum dans mes mains et on y va. L'avantage aussi avec le crossbody hammer curl, c'est que vous serez moins enclin à tricher. C'est-à-dire qu'on sera moins enclin à se balancer, à balancer avec le dos. C'est déjà plus difficile de tricher avec cette version, sauf si on va vraiment chercher sur les côtés, mais c'est déjà plus difficile. Voilà, surtout pas de mouvement de tiroir, il n'y a que l'avant-bras qui bouge. Voilà pour la version haltère. Vous pouvez très bien faire le mouvement en unilatéral alterné,
ou vous pouvez très bien le faire en unilatéral tout court, hein, c'est-à-dire vous faites toutes vos séries d'un côté et ensuite vous enchaînez toutes les séries de l'autre côté. Passons maintenant à la version poulie. Donc poulie basse, je vous invite dans un premier temps à retirer le mousqueton et la petite poignée qui va avec. On va uniquement saisir l'extrémité du câble. Encore une fois, le coude est proche du corps. On va fixer le coude. L'épaule, même position. Hein. Je ne vais pas la répéter, mais c'est exactement la même position pour les haltères. Les coudes sont contre le corps. Léger flex au niveau du coude. Et là, on va effectuer notre flexion. Voilà, une fois arrivé en fin de mouvement, je contracte fortement. Vous allez sentir le brachial. Et je reviens en gardant un petit flex. Une fois que vous avez fini vos séries, vos répétitions d'un côté, vous passez à l'autre côté. L'avantage de la poulie, hein, je vous le rappelle, c'est le bénéfice de cette fameuse tension continue. Donc libre à vous, hein, testez les deux. Ou par rapport à la disponibilité du matériel, au moins vous pourrez improviser si jamais les haltères que vous utilisez sont pris. Ou si la poulie est prise, vous avez au moins une alternative. Donc voilà, je vous invite fortement, je vous invite vivement à faire cet exercice qui ne doit en aucun cas remplacer hein, le curl marteau classique qui reste un indémodable, un exercice très très efficace, mais plutôt le complémenter. Un exemple, si vous faites du half body, donc vous faites les biceps deux fois dans la semaine, il est tout à fait possible de faire sur une séance du curl marteau et sur l'autre séance du cross body hammer curl. Donc voilà, encore une fois, hein, il n'y a pas de meilleurs exercices, mais plus votre bagage technique sera fourni, plus vous aurez d'alternatives, pardon, et plus vous pourrez un petit peu diversifier les différentes sensations, les différents angles d'attaque musculaires. Et puis en plus, ça casse un petit peu la routine. Donc, et c'est le but aussi. Hein. Faut prendre plaisir à s'entraîner. Donc voilà, je vous invite vraiment, vraiment à le faire. Exercice que l'on fait généralement. Moi, j'aime les réaliser en fin de séance. Très très bonne sensation. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Si jamais vous voulez bénéficier d'un de mes coachings en ligne, que ce soit pour les plans d'entraînement ou des plans diététiques personnalisés, ou si vous voulez faire l'acquisition d'un de nos t-shirts No Flex No Gain, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr. Le lien sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon sponsor, mon partenaire Univers Protein pour la confiance qu'il nous porte. Univers Protein qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc je vous invite, hein, si vous avez besoin de compléments, en plus ils ont un large choix, à aller sur leur boutique de compléments en ligne. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite tous de très bons crossbody hammer curl, de bons entraînements. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Bye bye les amis, salut, ciao. We'll be right back.